À mon oreille, Laurie va devoir s'expliquer avec Billy. J'espère que c'est d'accord. Bienvenue à Fort Boyard. Bonsoir, Laurie. Ravi de te revoir. Je crois que M. Crawford est encore en bas. Non, il arrive. Il arrive. Hi. Hi, Mr. Crawford. How are you doing, sir? Ah, fine. Look at this. Aïe, 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 aïe. I love snakes, I love frogs, so hey. Laurie, ne perdons pas de temps. Non, il aime les gros. Parce que le jeu a déjà commencé, le temps tourne. Donc si vous voulez gagner des boyards, il faut démarrer tout de suite. Pour cette première cellule, tu aurais besoin d'un couple mixte. Deux apprentis palefreniers unis dans l'effort pour ne pas faire pâle figure. Oui. C'est joli, hein? C'est très joli. Qui tu choisis? Cyril et moi. Cyril? Ouais, parce qu'il est grand. Parce qu'il est grand. Mettez-vous en place. Attendez, je vous montre juste une petite chose. Vous aurez à l'intérieur une sangle comme celle-ci. Vous la prenez comme ça. Et elle va vous aider à avancer avec la barre qui est au-dessus de votre tête. C'est-à-dire qu'il faudra la lancer en l'air pour la faire passer par-dessus comme ça. Vous avez compris? Oui. Allez. Si t'as pas compris, c'est pareil. Allez, attention, tous en scène. Alors en fait, c'est un... Alors, c'est une nouvelle épreuve pour cette nouvelle saison de Fort Boyard. Ça, c'est plus grand, donc tu prends... Il va falloir qu'ils avancent le long de cette sangle. On doit avancer, et normalement, si tu tiens la poutre, elle descend. Quelqu'un surveille le temps pour nous, hein. Et on doit avancer. Comme ça. Billy, watch the time. C'est bien, c'est bien. Alors, ça, c'est la première embûche, tu vois. Parce qu'elle ne peut pas passer, continuer son parcours. Tu dois passer... Tu veux que je passe avant ou tu passes après? Il faut que tu l'enlèves, là. Voilà, c'est bien. Ça sent le cheval, là. C'est un peu fait craindre, là, après. Même chose, Cyril. Tu fais comme Laurie, exactement. C'est bon? Alors, non. Il faut qu'elle prenne l'astuce de la sangle au-dessus. Tiens la route pour qu'elle descende. Et c'est là où il faut être très courageux. Ah, bien. C'est bon, tu peux passer? Ça y est, il est passé aussi, Cyril? De l'autre côté? Non, il y va, là. Allez, Laurie, avance. Ouais, Laurie, avance, continue. L'attends pas, continue. Ouais, baisse un peu, là. C'est sympa pour Cyril, là. Mais je sais qu'en deux pas, il la rattrape. Alors là, faut que tu viennes, faut que je me tienne à toi. Yes, c'est la moitié. On est à la moitié du temps. Vas-y, je te tiens, tu peux lancer. Dommage, tu vas. Oh, je peux pas lancer. Allez, c'est là que Cyril doit être d'une grande aide pour Laurie qui est plus petite que lui. Voilà, super. C'est bon. Recommence, allez. Vous allez la voir. Bien. Oh, oh là là. Ouais, c'est bon. Yes. Ils sont presque arrivés au bout. L'idéal serait été qu'ils passent devant elle, parce que la clé, tu vois, elle est accessible pour Cyril. Il est tellement grand. C'est bien ça, ouais, bonne idée. Bonne idée. Ça va? Le temps? Passe devant. Passe devant. Cyril, passe devant. Le temps, c'est bon. Passe devant, Laurie, Cyril. Passe devant, t'es plus grand. Tu auras toute facilité à trouver la clé. On se dépêche un petit peu, là. Voilà, simplement alterner les lanières et faire attention de ne pas tomber. C'est pas stable, cette histoire, quand même. Ouais. Voilà. Allez, maintenant, vous sortir. Dès que tu peux. Non, ne tombe pas maintenant, hein. Non, t'inquiète. Allez, vite. Ouais. Allez, sortez. Cyril, viens. Tu m'expliques pourquoi t'as pris Cyril, parce qu'il était grand, c'est ça? Parce qu'il est grand et voilà. Super idée, le coach. Voilà, c'est ça, Fort Boyard. C'est un esprit d'équipe, passe partout, t'es content, c'est la première clé. Je veux juste vous rappeler que le sport est très très dur cette année, donc si vous continuez comme ça, eh ben, c'est Jean-Pierre qui va faire la gueule. Mais nous, on va être contents. Allez, c'est parti. Hop, voilà.